Et oui, c'est un stream hors série, alors ça compte pas. Je peux dire des grosses conneries, je peux être détendu. Et en fait, pour être honnête, c'est vraiment le stream de fin de journée, les yeux fatigués. Et ce soir, j'ai eu une idée absolument fabuleuse. Je me suis dit, il faudrait que tu t'entraînes sur un jeu bien sympa où il y a de la boulette et tu sens qu'on t'aime. Et j'ai pensé tout de suite à Ibarra. Ibarra, ce jeu que j'ai dû parcourir en tout 2 fois. Donc, je crois que j'avais beaucoup à apprendre de ce soft qui, normalement, alors vous attendez pas un super play, qui normalement devrait me mettre une déculottée mémorable ce soir. Je vais quand même résumer le gameplay, comment ça fonctionne. Si vous avez un vaisseau, vous pouvez choper des bonus pour avoir des petits modules complémentaires. Ces petits modules complémentaires ne seront pas accessoires puisque vous pourrez avoir leur tir pour péter la gueule du méchant. Et en plus, les orienter. Alors, l'orientation se fait, de ce que je me rappelle, en gardant le bouton appuyé, je crois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une orientation qui vous plaît, vous passez en tir continu. Et là, les modules bougent plus, ils gardent l'angle que vous leur avez donné à ce moment-là. Voilà, ça c'est la seule partie où le cerveau doit vraiment intervenir dans le jeu. Sinon, pour le reste, c'est de l'esquive de boulettes massives, violentes et sauvages comme on l'aime. Et je crois que, tout comme vous, je vais pas attendre plus longtemps que les gens arrivent sur le stream. Non, on ne les attend pas. On fonce tels les gorées dans la fange. Yik! Alors, est-ce que le son n'est pas un peu fort dans mes retours? Non, c'est ce bip qui est strident. Moi, je veux celui qui. Voilà. Voilà, là, je m'entends bien avec le gars. Alors, il y a un autre truc, si j'ai oublié, qu'il faut savoir, c'est que vous avez une méga bombe. La méga bombe, elle peut se booster également par différents bonus qui tombent ou qu'on ramasse. Pardon, je rote en silence, mais bon. Ça arrive pendant les gameplays, c'est un hors-série, je peux. Et donc, cette bombe a la particularité de pouvoir s'upgrader et passer un certain niveau, vous offrir une méga bombe. J'espère que je réussirai à accumuler assez de bonus pour vous faire voir le truc parce que c'est quand même pas commun, on va dire. C'est. Méga bombe, ouais, c'est. Et encore méga bombe, je trouve que ça fait petit pour le nom qu'on lui donne. Mais bon, on va voir ça en image, c'est plus rigolo. Alors je rappelle, ce n'est pas un super play, je suis en train d'apprendre ce jeu, j'en suis à mon troisième run ou quatrième, j'en sais rien. Donc voilà. Type quoi, quand, où? Bon, j'ai pas choisi, connard! Ah, c'est pas grave, je vais juste m'énerver. Hop, voilà. Alors, piou, 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 ça c'est le début, piou, piou, piou. Tout est normal, tout se passe presque bien. Alors, à noter que sur tous les caves, on a quand même un petit ralentissement si on garde appuyé le tir. C'est toujours valable, à part qu'ici, il est quand même vachement léger. Alors, la grosse nouvelle, et ce pourquoi je suis aussi content de vous le streamer, j'avais envie de vous streamer, c'est que quand j'ai fait la review rapide de ce jeu, il se trouve que j'étais sur une émulation qui était loin d'être parfaite. J'ai pas le temps de déclencher. Ah merde, c'est l'autre bouton! J'ai appuyé sur le bouton opposé. Et donc je vous ai fait une review sur un son qui était complètement pourri. Maintenant écoutez-moi ça, normalement je vous ai mis le son assez fort et vous pouvez profiter pleinement d'une bande son qui, ma foi, m'a l'air bien terrible. Bien que moi, oui en effet Jean-Michel, je n'ai pas les retours à fond les pieds longs comme il se devrait. Et oui, l'Arsène, tout ça, contraintes techniques, les horaires, la coupure pub, les cataplasmes, les masques d'argile. Et autre, je vais me coincer là, je vais me faire coincer, c'est pas obligé, mais c'était pas loin, c'était un peu prévu pour. Alors, pourquoi je peux pas orienter mes. J'étais en train de regarder autre chose, désolé. Je réfléchissais pourquoi je pouvais pas orienter mes modules, mes tirs de modules. Ce qui m'emmerdait un petit poil. Et on est loin d'avoir chargé la bombe, bordel de Schnitzel. Schnitzel qui est un mot quand même germanique, je le rappelle, pour les non-germaniques. Ils se renseigneront et ça veut pas dire grand chose de méchant. Et j'ai toujours pas trouvé ma. J'ai toujours inversé ma super bombe. Bordel. Non, monsieur, je ne me laisserai pas faire. Ça n'est pas mon intention. Ça me perturbe toujours un peu de voir des
personnage avec un âge qui est quand même relativement jeune, habillé d'une manière qui est relativement plus contemporaine, on va dire, pour rester sympa. Ça y est, ça revient. Il y a un autologue en fait quelque part sur ces petites tourelles aussi, qu'on garde appuyées, qui est pas désagréable pour aider à faire le ménage quand il y a du gros quoi. On prend par gros, sale bestiole qui demande plus de 5 tirs pour crever. Je crois que j'ai pas trop mal résumé le truc. Ah, j'ai toujours des bugs sur l'audio, hein, mine de rien. Enfin, peu que j'en entends, ça doit pas être la panacée. Je crois qu'il y a encore des saccades. J'en prends pas, mais je suis sûr. Ah oui, ça je m'étais fait avoir. Alors, j'ai toujours pas pigé où était ma fucking bombe là. Ah, je suis peut-être en train de m'en servir là. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Apparemment, c'est le bouton à la droite. Et là, je dois avouer que je suis un poil perplexe. Bah, si ça crie, c'est que je suis en mode super bon. Mais j'ai toujours pas fait la super, hyper, méga, giga, Kowabunga, ultra bombe. Rocket Bernard, oui, ça doit être le prochain. Alors, trouve-toi un chemin au milieu de ce bordel, tu vas voir, ça va bien se passer. Soyons zen. Pense à Zazie. C'était un mauvais choix. Ok, c'était un très mauvais choix, c'est pas grave. Je vais penser à quelqu'un d'autre. Jean-Michel Jarre. Genre quoi? Je sais pas. Jean-Michel. Jarre quoi? Je suis très Jean-Michel ce soir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du mot. Ouais, pourtant j'ai fait des efforts là. Je voyais ton pattern, j'arrivais à le lire. Mais je j'arrivais pas à me. Alors comme tout keg, il demande un petit doigté pour. Merde. Pour maîtriser les tirs, comment dire? Merde, ça marche pas mon système de la valve. Alors, je trahis tous mes secrets en plus. Je vais reprendre le début de ma phrase une fois le boss passé parce que ça va être impossible sinon. C'était quoi que je voulais dire du coup? Parce que là, il m'a perturbé. J'essayais de piger les patterns en même temps et. J'ai un peu fait du caca. Alors du coup, j'ai pas les tourelles orientables. C'est pas du tout le vaisseau que je voulais, ça, à la base. Parce que le vaisseau a son importance, hein. Il y en a qui vont plus vous aller que d'autres, hein, je le rappelle. D'ailleurs, dans les streams en série, je suis pas censé fermer ma gueule. Non, soudainement, ça me revient. Là, oui, je pense à vous. Parce que moi, je m'entends assez souvent, ça va. Toujours les ralentissements de la machine qui m'arrange beaucoup d'ailleurs pour mon petit slalom improvisé un poil là. Non, 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 toujours pas. Pas envie, j'ai mal à la tête. Demain soir peut-être, et encore si t'es sage. Parce que faudrait voir à pas exagérer, Maurice. Je veux dire, pour moi c'est le bonus au tir le con. Voilà. Tranquille, qui aime l'amour, changer de ses piles. Hop, c'était la rime du soir, yippee-ki-yay. On y va les filles. Mais attends, et, oui, finis pas comme ça. On a tant de choses à se dire. Oula, c'est tout? Sérieusement? Oh, tu es invisible, little machin de merde que je déteste. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves!
C'est ça, c'est ça. Alors le mec qui décide de faire une attaque avec un train au moment où la SNCF quand même fait des grèves historiques, moi franchement je me permets de me moquer. C'est ça, tu veux intimider qui? Ah bah J'aurais mieux fait de me taire. J'aurais beaucoup mieux fait de me taire, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et quand bien même je l'aurais dit, oh, sa maman! Là, ça devient quand même assez. Il y a un mode plus violent au-dessus? Non, je veux pas le savoir en fait. J'ai pas envie. Et non, mais s'il y a des choses comme ça, je préfère qu'elles restent secrètes. On me laisse la surprise ou le désagrément, c'est selon. Hop, hop, hop! Et les oiseaux qui s'envolent. À chaque fois, je suis obligé de la faire, celle-là, je suis désolé, mais. Quand les proguises prennent la peine de vous mettre les oiseaux qui s'envolent par millions, comme des millions de... Ah, casse-toi, condomine! J'avais une brèche, là, je pouvais la prendre. J'étais bon. Et qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai pas compris. J'ai beaucoup perdu d'énergie, là. J'ai un tir qui est quand même relativement. Il n'y a pas trop de fierté dedans, quoi. Bah, vu comme je bouge. Mais pourquoi un bip aussi strident aussi? À moi! Il n'y a pas de cancel quand on tire la méga bombe, ça aussi c'est dramatique. Un truc rouge, je sais pas à quoi ça correspond dans le jeu, il faudra que quelqu'un m'explique un jour. On n'y voit rien, on n'y voit rien. Quoi? Oui, cette bretelle de... Très bien. Ah, c'est dommage, j'ai toujours pas l'émulation parfaite. Je m'en veux, je me déteste. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Ce jeu me met une véritable branlée. Mais bon, je vous ai un peu spoilé le truc hein, au début du stream. Je vous ai dit que ce soir, c'était loin d'être un super play, vu que ce jeu, je ne le connais pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas assez pratiqué pour prétendre m'en sortir dès que j'arrive devant un pattern qui est un petit poil plus complexe que les autres. J'aurais même plutôt tendance à, comment dire, le truc qu'il ne faut pas faire dans les shmups, paniquer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Non, c'est gentil de démonter les bonus. Parce qu'il y a certains jeux où ça a été. Ah! Je veux pas! Voilà, ça c'est fait. J'ai laissé d'énormes traces de slip sur l'écran, apparemment. Putain de bordel, il va finir par m'en mettre une. Hein. Ce qu'il cherche là. Oh là là, le fond c'est magnifique. Hein. J'ai pas le temps de voir, mais en bas, regardez, sous les nuages. Oui, je sais, les nuages, ce sont des nuages plus gros que les nuages normaux. Et il y a des termes techniques hein, en shmupologie. Je suis pas au bon endroit, bordel. C'est toi qui m'as arrosé de tout loin, hein? Mais t'es fou, t'es un fou, monsieur. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et ton cousin, pareil. Regarde, hop, 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 allez, coucher. Quoi, t'as un deuxième cousin, ça tombe bien. Il me reste des munitions. Je vais lui expliquer deux, trois trucs. Ça va bien se passer. Enfin, pas pour lui, mais moi, ça va bien se passer, tu vois. Hop, 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 hop. Oui, il n'en faut pas trop en faire des hop parce qu'après ça merde un peu. Ça va, il y a des passages, je gère parce qu'on est quand même dans le pattern. Ah putain, à chaque fois je suis persuadé que la bombe elle me protège. Il y a des passages qui sont, oui, anticipables. Mais il y en a d'autres quand même, c'est un poil tendu. Là tout à l'heure, j'ai pas fait semblant d'en baver. Par exemple. Niche. Ah bah. Alors, ce qui est très très rigolo dans ce jeu, et ça je l'avais remarqué sur mes premiers runs, c'est que
il est quand même assez enfoiré pour vous faire une chasse au bonus assez faramineuse. Oulala. Genre, allez à droite et à gauche de l'écran comme ça. Le truc vous balade assez pour que, en fait, pour esquiver des boulettes, souvent, vous êtes obligé de laisser passer noir de bonus, quoi. Et vous avez envie de pleurer des fois parce que pour être dans un coin à peu près tranquille de l'écran, bah, vous regardez au loin tous vos bonus s'en aller dans le néant. Alors, j'ai eu en commentaire, quand même, et j'ai apprécié. Monsieur K, bravo, comment fais-tu pour parler en même temps sur ces jeux-là? J'avoue que moi-même, je n'y comprends pas grand-chose. Comme à ce jeu d'ailleurs. Et oui, non mais du coup maintenant j'ai pris l'habitude et j'arrive à tenir la causette. Alors, en plus je sais que les gens adorent mes taux de conneries que je raconte dans les streams. Donc forcément, si vous encouragez un idiot, vous ne vous attendez pas à avoir de grosses théories quantiques. Hein. Ça va quand même rester au niveau de barre-toi! Ah ça y est, je peux enfin orienter mes saloperies. Hop, non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. On peut rester amis, regarde. Regarde, regarde bien. Tu vois cette carte de transport en commun? Je suis prêt à la partager avec toi, s'il faut. J'ai mal aux yeux, là. Fuir. Putain, le petit enculé. Ah, là, tu ne me gazeras pas avec ton gaz bleu. Voilà, meurs, c'est l'option préférable. Sur ça, j'ai été pas trop mauvais, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, je pense qu'il y a une partie apprentissage qui commence à rentrer. C'est juste cette histoire de bombe qu'il faut que je me mette dans le crâne, vu que non, ça ne cancelle rien. Tu bombes, tu restes vulnérable. Et c'est assez contrariant parce qu'il y a des rideaux de boulettes que je n'ai pas vraiment assimilés. Et ça va me porter préjudice à courte, moyenne, longue et toute échéance se présentant en fait. Oh, c'est dommage que la musique soit esquintée parce que elle a l'air vraiment bien. Alors je pourrais arrêter de tirer pour fluidifier le flux audio justement. Ah et en fait. C'est rien, ça va passer. Et en fait, non, vous voyez bien que je suis obligé de tirer, regardez-moi ce qu'il m'envoie dans la tronche. Et sérieux. Non, non, non. Non, non. Sur une boulette de merde. Non, mais ça, c'est honteux, quoi. Ah, j'ai envie de m'auto-flash des. Devant, 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 devant! Putain, les tourelles! Allô, les tourelles! Les tourelles! Il y a un truc que j'ai pas compris là, avec mes tourelles parce qu'elles voulaient pas s'orienter dans le bon sens et ça m'a foutu quand même bien la merde. On va dire que c'est la faute à la musique. Maintenant, je vais la détester. Tiens, voilà, ça sera plus simple. Je ne suis plus dedans, je ne suis plus dedans. Le groove a foutu le camp là, les gars. En plus, j'ai un armement de merde. Oh! Même décalage, ça tire mieux. Bon, les tourelles, vous tirez devant. Hein. En éventail, en VS, ce que vous voulez, mais jamais derrière, il n'y en a pas besoin là. C'est quoi cette blague? Ça voulait pas s'arrêter le flux aussi, il faut dire là. J'ai fait un petit effort, hein, mais il y a des moments tu te demandes si c'est pas mieux d'abdiquer. Les amis! Hey, les amis! Je parle là, arrêtez de tirer quand je parle. Ils ne comprennent rien. De là à dire que je me bats contre des gens aussi cons que des personnes un peu basses du front, oui, c'est exactement ça en fait. Genre, le mec, il sait même pas pourquoi il se bat à la fin, quoi. Enfin,
Enfin, même au début. J'ai essayé de passer justement. Ça fait partie de mon apprentissage de Padawan. Je m'entraîne en ce moment à faire du ride dans les couloirs de boulettes, avec plus ou moins de succès, sur celui-là non. Mais je vous conseille un autre stream qui doit pas être loin d'ailleurs. Où je suis pas mal bon, quoi. J'arrive à faire des suivis de spirale. Et je vous garantis que l'impression que ça donne, vous avez l'impression de faire du surf. Pas du smurf, du surf. Dans un jeu de boulettes. C'est exactement ça, c'est une sensation tube. Et je pense que les programmeurs d'ailleurs, et là je m'avance peut-être un peu, mais je suis à peu près sûr de mon coup. Les programmeurs de. Alors c'était quoi que j'ai joué là? Je sais pas. Je peux pas parler. Je vais arrêter de parler un petit moment, je crois. Pour l'hygiène de ce stream. Oui, mais il n'est pas mort, c'était pour rire, petit coquin. Merde, putain, celui-là, j'y arrive pas en plus, quand même. Je ne les lis pas, je ne les lis pas, ces patterns, je n'arrive pas à les lire. Vacherie, en plus, c'est vif. Et du coup, je sais plus du tout ce que je disais comme phrase qu'il faudrait que je finisse tout à l'heure. Ça va être dramatique. Je suis plus dedans les gars, je suis plus dedans, c'est même pas la peine, je me rends, pousse, kin, tout ce que tu veux, je te donne mes points au choc. Ah bad, ah c'était bad ça. Quelle était la phrase qu'il faut? Il faudrait que je mette le stream en pause, que je rembobine et que je regarde ce que j'ai enregistré pour pouvoir vous finir cette putain de phrase que j'avais commencé. C'est ça qui est bien avec les vieux. Hein? Quoi? Non, rien. Mange des myrtilles. D'où ça venait, ça? Là, en plus, t'es plus bon. Oui, mais pourquoi un truc aussi strident, bordel? On est des humains, là. Faut arrêter. Oh putain, mais même les statues vous font chier dans ce jeu, c'est incroyable. Mais, connard? L'extrême connard? Ah oui, j'étais parti sur une saloperie sur les fachos. Vous connaissez mon opinion à propos de ces gens-là. C'est vrai qu'à part leur mettre un coup de poing dans la gueule, je vois pas trop ce qu'ils vont dire. Donc, ce n'est plus la peine de s'étendre. La lie de l'humanité, comme disait si bien un explorateur connu. Oui, mais non, je sens que ça va pas très bien. Connasse de statues, dégage! Non, mais maintenant, les statues, je vais plus les aimer, moi. Je vais aller dans un muséum demain, je vais péter toutes les statues que je croise, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Un psychopathe a détruit plein d'œuvres inestimables. Et oui, il avait joué à un shmup la veille. C'est un peu comme les espèces de débiles mentaux, là. Qui en viennent à faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est juste des losers pathétiques frustrés. C'est incroyable. Non, pas des flammes, je n'ai pas envie d'un petit barbecue, pas tout de suite. Après, je vais. Putain, sentir la merguez. Il est violent quand même ce jeu. Je sens que avant d'en maîtriser ne serait-ce que 30%, il va falloir au moins, je sais pas, 25 runs, quoi. 25 runs, dont quelques-uns d'affilée, parce que y a des fois, faut être chaud dedans, quoi, parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de subtilités. Et sur le bombing, je ne maîtrise pas du tout. Et je pense que au bombing, bah, c'est comme tous les gros jeux de boulettes, il arrive un moment où il ne faut pas avoir honte d'enchaîner les bombes si elles sont placées super bien, parce qu'elles vont vous éviter plein d'emmerdements, vont vous permettre de reposer les paupières en clignant une fois des yeux, alors que ça faisait depuis le début du jeu que ce n'était pas arrivé. Et voilà, plein de petites conneries comme ça. Moi, j'adore regarder quand j'en trouve des gens qui font des super plays. Parce que c'est toujours très rigolo. Maintenant, il faudrait que je regarde des super plays avant de vous streamer des jeux. Mais je pense que ça gâcherait le côté nature. Je vous garantis que tous les streams que je vous ai faits, ils sont faits nature de chez nature. C'est-à-dire, quand je vous dis je découvre un jeu, je découvre un jeu. Quand je vous dis j'ai fait trois runs qui se mangent le cul dessus.
J'ai vraiment fait trois runs qui se mangeaient le cul. Après, j'ai deux, trois petits chouchous. Et même aujourd'hui, c'en est au point où je vous ai présenté en fait tellement de jeux que je me rappelle plus trop des anciens. Genre, par exemple, aujourd'hui, on m'en mettrait dans un Rez. Alors, oui, Rez, c'est pas un gros shooter, mais rien qu'un Rez, on me remettrait dedans. Je pense pas que j'arriverais à scorer comme j'ai scoré à l'époque dessus, alors que j'étais vraiment un peur. Comment ça, on score sur Rez? Oui, on score sur Rez, tout à fait. Et le jeu, en plus, a une difficulté adaptative, c'est ça qui est bien. Le problème, c'est qu'elle est pas en temps réel, elle est juste dans la sauvegarde par rapport à notre perf globale. Oui, non, mais alors, oui, ça fait partie des petits trucs du shmup, c'est que. On arrive à un stade où quasiment on peut dire qu'on reverse le jeu, quoi, pour piger comment il fonctionne. Genre ça, j'aimerais bien comprendre, tu vois. Là, tu vois, non, je m'en prends une. Parce que forcément, comprendre le jeu, ça devient le seul moyen de communiquer avec lui, passer un stade. On va s'aimer, on va s'aimer, pense au chanteur aveugle. Ça ne marche pas. Donc ce boss n'est pas mélomane, déjà, je le saurais. Hey man, 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 non, fais pas ça, mais non, si ça se trouve, il y a ma mère qui regarde en plus, tu vas pas la décevoir. Laisse-moi gagner, laisse-moi gagner. Allez, soit. Ça descend pas, ça reste là-haut. La porche, heureusement que j'ai ce rideau qui me protège là. Parce que je sens quand il va s'en aller, je vais avoir des grosses, grosses larmes toutes chaudes qui vont couler sur mes joues. Tu n'es pas marre. Là, il dit rien, mais il n'en pense pas moi. Tu n'es pas marre. Deuxième phase. Ok. Le truc qui est sorti de l'écran, il va pas revenir. Un dit, un, dit, un, stop. Allez, allez. Allez. Non, je reviens en fait. Attends, je déclenchais la bombe. Ah non, elle est pas vide. Oui, alors tu es quelque part là-dedans, hein, tu cherches pas à comprendre. Hop, on en met une autre. Tu veux pas comprendre, ça ne te regarde pas. Ce sont les affaires d'autres personnes. Ichi. Fou. Non mais non mais non, mais non, 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 oh la vache. Je vous avais dit, il me déculottait. Hein. Les gens voulaient pas me croire. Pourtant, moi, j'annonce cache la couleur. Alors là, en plus, j'ai des ralentissements qui étaient probablement, peut-être pas à cette échelle-là, mais d'une façon mineure sur la borne d'arcade. Et très honnêtement, je me demande comment fait le vrai super player pour passer là-dedans. Là, je pense que ça, pour arriver à sortir de ce boss un poil énervé, je pense que de mater un mec qui joue avant, c'est la moindre des hygiènes de base. Si on veut pas se retrouver comme un con comme je suis actuellement, à subir une putain de déculottée, il n'y a pas d'autre mot pour ça, quoi. Pour cause de douche de boulette un poil trop intense. Genre, là, oui. Non, tu arrêtes. C'est une bonne idée que tu arrêtes. Enfin, je suis désolé que tu sois mort parce que j'ai pas eu le temps d'enregistrer tes patterns. J'ai rien compris ce qui m'est arrivé. Aïe, j'ai gagné. Voilà, aïe, t'as gagné. Ok. Donc maintenant, on va faire la même chose avec des boulets de suicide. Bah, il doit y avoir ça de toute façon. Si on peut. Oui, ça doit se louper ça. Donc, il doit y avoir des boulets de suicide après. Et le boss final avec des boulets de suicide. Non, je ne veux même pas l'imaginer en fait. Je vais aller, comme vous, sur une chaîne voisine. Regardez comment ça se passe. C'est le boss le plus méchant, à mon avis, que j'ai pu croiser dans un shmup, quoi. J'ai jamais vu ça. Et là, je vais aller tout de suite regarder le stream d'un vrai super player. Si tant est qu'il existe, en fait. Parce que la finesse, si on revient sur les détails, c'est que on a réduit la hitbox du vaisseau au fil des évolutions des shmups. Mais ça suffisait pas. À
Alors après, on a donné l'opportunité au joueur de ralentir un peu son vaisseau pour passer dans les rayons de boulettes. Mais ça suffisait pas. Et en fait, aujourd'hui, on en est au point où les programmeurs vous balancent des boulettes qui font par exemple 12 pixels de diamètre, mais où l'hitbox qui va vous percuter n'en fait que 2 ou 3 par exemple. C'est pour ça qu'on vous voit passer souvent miraculeusement en touchant des boulettes, alors que tant que j'ai pas touché le centre, ce qui constitue le centre du truc, c'est bon, ça passe quoi. Mais là, je pense que les mecs vont chercher plus loin. Ils sont pervers. Je vois que ça, ils sont pervers ces gens-là. Bon, merci d'avoir suivi le stream. Je poste le backup sur YouTube pour les soirées des insomniaques. Et on se retrouve bientôt dans la chaîne que vous connaissez, dont je ne ferai pas la publicité ni l'indication de l'horaire, quoi. Parce que plus personne ne sait ce que c'est. Ciao!